Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour des invocations sur le jeu Dragon Ball Legends. Oh, nous allons partir en invocation sur le nouveau Yamcha et Lunch qui viennent d'arriver tout fraîchement ce matin. On va voir si on est assez chanceux. On va tout de même souligner une chose les amis, c'est que là, maintenant, ça commence à devenir intéressant d'aller invoquer. Je vous explique pourquoi. Eh bien sur le portail Legends All Star, on a un sparkling garanti à chaque fois que vous mettez 1000 cristaux. Alors attention, ça ne veut pas dire que si tu es free to play, faut mettre tes cristaux, tout ça, parce que tu vas avoir un sparkling. Non, parce que tu ne sais pas quel sparkling, du coup, tu auras. Mais ça commence à devenir assez intéressant. Est-ce que les développeurs seraient en train d'écouter la communauté? C'est déjà pas mal. La vérité, 1000 cristaux, au moins, tu es sûr et certain d'obtenir un sparkling. Tu ne sais pas lequel, mais c'est déjà bien. On avance, on va dire. On a également eu un peu de contenu tout de même qui est arrivé sur le jeu. Ça aussi, faut le souligner. Il y a eu le nouvel event là avec le Vegeta Blue, futur. Donc là, j'ai commencé ce matin vite fait, je suis à 4 sur 7. Je vais le finir à 7 sur 7 parce que voilà, faut le réussir avec un Rising Rush, 4 millions de dégâts, je crois. Faut également le faire sans Rising Rush, donc voilà, faut le faire à plusieurs reprises, et également, en plus, le 1er février, du coup, il va redébloquer un nouvel event, etc. Donc ça aussi, c'est une très, très bonne chose. On a également, au niveau des super batailles, bon, bah, je peux pas le faire parce que ça y est, je l'ai fait, voilà, c'est revenu pour choper des pouvoirs Z et tout. Bon, il y a quand même quelques petites améliorations. J'avoue qu'un petit Red Boss Coop supplémentaire, ça aurait pas été de refus. Bref, les gars, on va pas perdre plus de temps, on va partir en invocation. Ah oui, juste un truc essentiel, très important, regardez les amis, quand on va sur le compte Twitter de Dragon Ball Legends, hop, voilà, je vous ai mis l'écran, eh bien, regardez ce qu'on nous dit pour les 1000 jours. Ici, il y a 30 minutes, ça a été tweeté hein, à 12h15, alors je vais faire traduire. Aujourd'hui, c'est le 1000e jour depuis la sortie de Dragon Ball Legends. Merci tout le monde pour célébrer le 1000e jour depuis sa sortie mondiale. Une grande campagne sera organisée pour tous les utilisateurs et ceux qui se sont connectés pendant 1000 jours. Qu'est-ce qu'il serait? Alors, de quoi s'agit-il? À mon avis, ils ont voulu dire, mais c'est Google Traduction. Restez à l'écoute. Donc là, on nous dit, il va y avoir une nouvelle campagne sur le jeu qui va arriver pour les 1000 jours. De quoi il s'agit? On ne sait pas. Alors, attention, voilà, d'autant plus, vaut mieux garder les cristaux, les gars, hein, faut pas aller invoquer, pas comme moi, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, voilà. Surtout que là, les 7835 cristaux, ça va, c'est pas vraiment de ma poche. Je vous le montre, hein, quand je vais dans la boutique, j'ai pas utilisé les promos ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un petit peu ce que j'ai fait en live avec vous. Vous voyez, les promos sont encore là. J'ai rien pris. C'est vraiment les cristaux que j'ai farm. Je crois que j'avais quand même utilisé genre 3000 cristaux, les promos, avant que ça se soit barré, vous savez, les fameux cristaux à 43,99€ là pour 2900 cristaux. Voilà, je pense que c'est ce qu'il doit y avoir là-dedans, mais le reste, en fait, c'est des cristaux que j'ai farm, donc tant mieux. Bref, maintenant, on va commencer à partir en invocation, les gars. On va d'abord commencer par la petite single, sait-on jamais. Yeah! Et max de pouces bleus sur cette vidéo. Je tiens également à vous le rappeler, comme vous pouvez le voir, il y a mon logo Twitch. N'hésitez pas à aller me follow sur la chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo, les amis, parce que tout à l'heure, là, on va aller faire du Among Us. On va aller voir du ciné DBZ, des films, épisodes, etc. Alors, là, il a défoncé Freezer, Namek en feu. Pour l'instant, non, ça va être un EX, je pense. Je pense que ça va être un extrême. Ouais, EX, ok. Zanga, bah tiens, ça tombe bien, hier, attendez, je vais baisser un petit peu le son, voilà, ça tombait hier, on a regardé les mercenaires de l'espace, d'ailleurs, justement, sur la chaîne Twitch, avec Bojack, incroyable, incroyable, ça n'a pas pris une ride. Bref, allez les gars, on va continuer, ah oui, je suis un ouf, je vous ai même pas montré tout de même ce qu'il y avait dans le détecteur, bon, des bons persos, mais surtout un que j'aimerais avoir, donc déjà, bon, Yamcha, vraiment très intéressant, également, Lunch, les gars, elle est très intéressante, quand elle active son main, c'est vraiment très fort, regardez bien, faire perdre 3 Dragon Ball à l'adversaire, t'actives le main, il perd 3 Dragon Ball, ça sert à quoi? Bah, ça empêche l'adversaire, tout simplement, de faire le Rising Rush, il a perdu 3 Dragon Ball, c'est vraiment très très fort, bon, bref, on rentrera plus en détail sur les persos, si j'arrive à les avoir pour un showcase ou quoi, mais lui, les gars, c'est pour ça que je l'ai mis sur mon overlay. Lui, les gars, je l'ai pas, c'est le seul perso du jeu Dragon Ball Legends que je n'ai pas, le Vegeta Super. Non, le Vegeta Super, j'allais dire. Le Vegeta Big Bang du film Metal Cooler. Je l'ai pas, les gars. Je l'ai pas. Et moi, je joue la team Super Saiyan. C'est, voilà, je joue avec Broly, Badak, Goku, LF, Namek, etc.
Et forcément, si jamais j'arriverais à l'avoir, ce Vegeta, bah, je serais hyper content. Donc vraiment, c'est lui que je veux. Après, il y a également du métal couleur, etc. Le portail est quand même vraiment très, très intéressant. Mais si vous êtes free-to-play, encore une fois, dites-vous, là, il y a la célébration des 1000 jours qui arrive. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous préparer. Et il y a également l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends qui arrive le 31 mai 2021. Donc voilà, gardez vos cristaux. Par contre, si t'es un cash player, du coup, bah fais-toi un petit peu plaisir. Parce que t'as un smartphone garanti à chaque fois que tu fais 1000 cristaux. Et ça, c'est pas mal. Allez, let's go. Max de pouces bleus, les gars. Yeah, c'est parti. Allez, allez, fais plaisir. Allez, fais plaisir. Fais plaisir, le jeu. Fais plaisir. Kintoon. Donc déjà, on a détecteur. Forcément, bah, puisqu'on a un smartphone garanti du détecteur, ok, c'est normal. C'est normal. Après, si on aurait Yamcha ou Launch ou le Vegeta, tu vois. Moi, je veux bien. Allez, let's go. Let's go. Donc, de toute façon, chaque animation, on sait que c'est Sparking Guarantee, quoi qu'il arrive. Ryukyuan ! Lui aussi, les gars. Faut qu'il arrive dans le jeu, là. Faut qu'il arrive, ce Goku SSJ 3 Ryukyuan. Comment ça se fait, il est pas là ? Alors, est-ce qu'on va avoir un Sparking ? Ou deux ? On va en avoir deux minimum. Yes ! Pam ! Le Yamcha, déjà. Allez, la nouvelle unité dès la première multi, les gars. Allez, ça fait plaisir. Deux. Piccolo Daimao Zenkai. Donc là, attention, ça veut dire que là, je vais avoir trois Sparkling dans cette multi. Mais les gars, on commence bien. La chance est encore là, les gars. Vous voyez, ça fait combien de temps que j'ai de la chance là, c'est un truc de fou. Depuis que Migaté est sorti, les gars, chaque portail, boum, 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 ça tombe, les frérots. Max de pouces bleus, les gars. Max de pouces bleus, on kiffe ça. Et j'espère que tous ceux qui ont invoqué ont également eu de la chance. On est pas mal, on commence avec trois Sparkling, dont la nouvelle unité de Yamcha. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, les gars. On est plutôt bien. Bon, la vérité, j'aimerais bien le Vegeta. La vérité, le Vegeta, il me ferait tellement plaisir pour ma team SSJ. Je lui mettrais des pouvoirs Z et tout ça pour le faire monter à 6 étoiles. Ce serait vraiment incroyable. Et il vient ! Boum ! Mais c'est trop ! Mais c'est trop, les frères ! Je le demande, il vient ! On a le nouveau Yamcha, on a le Vegeta ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Les gars, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable ce qui vient de se passer là. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer, les frérots? C'est incroyable. Franchement, les gars, en faisant cette vidéo, j'ai dit il me faut absolument ce Vegeta là. Il me le faut pour ma team SSJ, tout ça. Vraiment, entre Yamcha, Lunch et le nouveau Vegeta, c'était vraiment le Vegeta que je voulais. Bah ça y est, boum, il est tombé, les frères. Ah mais ça fait plaisir. Et du coup, bah le Yamcha, tout ça, ok, deux étoiles aussi. Bah on prend. Alors, je veux juste regarder un truc. J'ai pas fait attention. Est-ce que pour 2000 cristaux, on peut les faire monter en pouvoir Z? Pour 2000 cristaux. Ah oui, alors ça aussi, ça c'est intéressant. On y reviendra, on en reparlera quand on sera en live. Alors par contre, ouais, le Yamcha pour 2000 cristaux, du coup, je peux avoir les pouvoirs Z. Mais c'est énervé. Et la Lunch, c'est pareil. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Eh ben, les gars, hein, on va continuer. Allez, les gars, franchement, incroyable. Enfin, je suis trop content. Pour le Vegeta, je suis trop content. Je suis trop content pour le Vegeta. Allez, let's go, on continue. 3, 2... 1, yeah, les frérots, allez. On n'a pas de la chance ici, nous. Purée, c'est incroyable. Oh, Ludivine, elle va péter un plomb. Ludivine, elle va péter un plomb. Tao Pai Pai, très bien. Oh, Ludivine, elle va péter un câble, les frères. Elle va me dire, non, c'est trop. Ah, laisse tomber. Et je vais rien lui dire. Je vais lui dire, tu regarderas la vidéo. Elle va me dire, alors, t'as eu quoi? Et je vais rien lui dire. Je vais lui dire, tu regardes la vidéo et tu mets ton pouce bleu. Je vais lui dire. Je vais lui dire, tu regardes la vidéo et tu mets le pouce bleu. Ok, donc Sparking normal parce que c'est Sparking garantie. Ça, c'est vraiment très, très bien, les gars, ce qu'ils ont fait, les développeurs, de nous garantir un Sparking garanti à chaque multi. Au moins, tu es sûr et certain, tu te fais pas shaft, tu vois. Parce que quand tu fais des multi full héros avec un extrême ou quoi, bah, franchement, ça met le seum, ça met le seum. Là, voilà, tu vois, là, c'est du full héros, mais je sais qu'il va y avoir un Sparking. Et pourquoi pas un bon Sparking, tu vois. Pourquoi pas Lunch? Ou pourquoi pas un doublon de Vegeta? Sait-on jamais? On prend. Après, il y a également le métal couleur aussi, qui est vraiment intéressant. Ça serait pas mal aussi. Yes! Oh, oh là 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 là! J'ai dit un doublon du Vegeta et il revient, les frérots! Et il revient, les gars! Oh là là, mais c'est incroyable! C'est incroyable! C'est incroyable! Il va me coûter encore moins cher en pouvoir Z! Il va me coûter encore moins cher en pouvoir Z! J'ai vraiment bien fait d'attendre, hein. J'ai pris mon temps pour les invocations et tout, les gars. C'est incroyable. Et bah les gars, on est bien là. On est bien, les gars. Et on en reparlera, on va débrief sur la chaîne Twitch, les amis. En fin de journée, on ira regarder. Tiens, bah tu sais quoi? On ira peut-être regarder le film de couleur, les gars, sur Twitch. Et après, on fera du Among Us. Parce que là, le film couleur, forcément, hein, y avait le Vegeta et tout dedans.
incroyable. On est bien. Demi-tu, les frères, j'ai chopé. En demi-tu, j'ai chopé le nouveau Yamcha. J'ai chopé le Piccolo Zenkai. Et du coup, le doublon de Vegeta. Mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Allez, let's go. 3, 2, 1. Yeah! C'est parti, les frérots. Allez, donc n'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description, les frérots. Et activez la cloche, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Plus on est de fous, plus on rit, les gars. Ici, c'est la passion de Dragon Ball. Allez, let's go. Ok, il se fait déboîter, mais on a vu Kunto Win. Et merci également à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, même quand on fait des vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Bienvenue à vous, les amis. Merci à vous. Gros cœur sur vous. On s'amuse bien, on rigole bien. Et franchement, je kiffe ce que je fais avec vous. Ok, thank you, Vegeta. Bah oui, thank you, Vegeta. Là, la vérité, t'es venu deux fois, frère. T'es venu deux fois, frérot. Deux fois, t'es venu. Et c'était le perso qui me manquait dans ma box. Bon, maintenant, en fait, il me manque que lunch dans ma box, les gars. Au cas où, pour ceux et celles qui veulent savoir, j'ai tous les persos du jeu, tous les LF et tout ça. Il me manque que lunch. Voilà. Si j'ai lunch, j'ai tous les persos du jeu. Pourquoi pas, tu vois? On va voir. On va voir. On va voir. Lunch. Lunch. Tu sais, le mec, il l'appelle. Lunch. Vegeta encore, tu vois? Sait-on jamais? Ok, Colifla. Non, je l'ai 14 étoiles, je crois. Je l'ai 14 étoiles. Purée. Bon, c'est pas grave. On va pas cracher dans la soupe, les gars. Je veux pas commencer à me plaindre. Avec ce que j'ai eu là, je veux pas commencer à me plaindre. Allez, let's go. On continue. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti. Allez, fais plaisir le jeu. Allez, fais plaisir le jeu. Fais plaisir. Une petite lunch. Et là, on est au top du top. Une lunch et on est au top du top. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit badak en animation qui arrive? La badak. Ok. Ok, y a pas. Kamehameha. Let's go. Ok. Vegeta va revenir. Thank you, Vegeta. Let's go. Allez. Une petite gorgée de Cherry Coke, les gars. De Coca Cherry. Allez, fais plaisir. Allez, fais plaisir. Allez, fais plaisir. Un seul Sparkling ou deux dans celle-là? Ça va être encore un seul. Tu veux pas encore me redonner un? Le mec qui demande toujours plus. Alors, les gars, ah ouais. Franchement, je trouve que c'est l'un des plus mauvais artworks du jeu. Les artworks sont magnifiques dans le jeu, mais je sais pas. Le sel, là, les gars, regardez ici, on dirait il a un slip de Superman, frère. Et je sais pas, la tête, il y a un truc qui va pas. Pour moi, ça fait pas vraiment le sel. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est l'un des artworks les moins bien réussis du jeu. Voilà. Juste petite parenthèse. Oui, EX, on prend. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà. Shield EX, ok. Bootengs. Ok. Oh, ça veut dire qu'il y en a un deuxième. Ça veut dire qu'il y en a un deuxième, du coup. Bootengs, ok. Ok, ok, on prend Bootengs. Donc, du coup, deux Sparkling, c'est pas mal. Non, pas encore Badak. J'ai 14 étoiles. Alors, j'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. Ok, bon. C'est pas grave. On prend. On prend. Ouais, franchement, je sais pas. J'arrive pas avec son slip, là. On dirait un slip à la Superman, frère. Regarde, on dirait qu'il a une couche. Vous trouvez pas que le sel, là, on dirait qu'il a une couche culotte, frère? C'est quoi, ça? La vérité, c'est... Alors que là, le chill, il est magnifique, hein. Tous les artworks, Bootengs, c'est pareil. Bootengs, exceptionnel. Il y a des artworks vraiment énervés dans le jeu, mais le sel, je trouve que c'est l'un des moins beaux. Allez, let's go, on va continuer, du coup. Comme ça, après, je garde 2000 cristaux, au cas où, pour faire monter, du coup, le Yamcha à 6 étoiles avec les pouvoirs Z pour 2000 cristaux. Ça sera toujours ça. Allez, let's go. 3, 2, 1. Yeah! Allez! Allez, fais plaisir le jeu. Fais plaisir le jeu. S'il te plaît, le jeu. S'il te plaît. Donc là, il y a deux Sparkling minimum. SSJ Blue, c'est deux Sparkling minimum. On est bien. On est bien. Est-ce qu'on peut avoir lunch? Est-ce qu'on peut avoir lunch? Est-ce qu'on peut avoir lunch? Let's go. Ou un doublon de Vegeta, je reprends. Je reprends un doublon de Vegeta. Doublon de Vegeta, il peut y en a. Tu peux même m'en mettre 10, je les prends. Je les prends tous. Ok, let's go. Cuisine. Bootengs encore. Bon, c'est bien, mais Bootengs, je le joue pas en fait. Oh, il va y avoir 3 Sparkling. Ok, Goten, on prend. Goten de type jaune, très très fort. On prend. Là, il va y avoir 3 Sparkling minimum. C'est pas mal, les gars. Franchement, on a fait des belles multi là. On a vraiment fait des très très belles multi. Hein. C'est une belle vidéo invocation, les gars. Hein. Franchement, max de pouces bleus. Hein, ça fait vraiment kiffer. On est vraiment bien là. Il n'y a que lunch qu'on n'a pas eu. Si elle pourrait venir. Ok. Je prends.
La vérité, Gohan Ultime, je prends. Ok, let's go. Bon, ça va. Franchement, là, pour le coup, vous voyez, ah, il passe 7 étoiles en plus. Incroyable. On s'est vraiment pas fait shaft, les gars. Franchement, incroyable. Le fait de mettre un sparking garanti à chaque multi, bah, du coup, ça nous donne un taux de probabilité, tu vois. On augmente les chances d'obtenir des unités et ça, c'est fort. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, allez me follow sur ma chaîne Twitch, activez la cloche et également abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et active les notifications. Voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous avez chopé. Je suis super content d'avoir eu le Vegeta en doublon. On va pouvoir le PZ, les gars, parce que regardez dans mes cadeaux, eh bien, du coup, j'ai pas mal de pouvoir Z. Et j'en ai également en plus en stock, donc du coup on va pouvoir aller PZ le Vegeta et on pourra aller le jouer en live en PVP ensemble. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure en fin de journée en live sur la chaîne Twitch pour du Ciné DBZ, du Among Us avec la communauté. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super!